j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller au qualif du World Padel Tour. Pour ceux qui ne le savent pas, ça se déroule à Toulouse. Et moi, vous le savez, c'est ma ville. Du coup, c'est très pratique pour moi d'y aller. Du coup, on va aller voir un petit peu les qualifs. Il y a quelques Français qui jouent ce matin. J'ai vu qu'il y avait Man Vives avec Julien Serin. Il y a les deux Toulousains aussi, Benoît Théard et Thibaut Pêche qui jouent. Donc, on va essayer d'aller prendre quelques images. Je peux y aller juste ce matin parce qu'après, je travaille un petit peu. Voilà, donc si vous voulez plus de vidéos comme ça, surtout, c'est super important, il faut lâcher un pouce bleu sur la vidéo et pas oublier de s'abonner là juste en bas. C'est super important, plus vous en mettez, plus ça aidera la vidéo à être référencée et plus je pourrai en faire. Ça sera vraiment pas mal, il y en a beaucoup beaucoup de ce type qui vont arriver. Voilà, là dans la semaine, on va retourner aussi directement au World Padel Tour pour le tableau final et plein d'autres vidéos comme ça qui arriveront. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, voilà, juste en bas, on s'abonne, on lâche un pouce bleu et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Et voilà team, du coup on se retrouve tout de suite à l'intérieur du Fort Padel de Toulouse. Pour tous ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, vous l'avez compris, hein, ça se passe là où je m'entraîne toute l'année. Du coup c'est vrai, un petit peu de chance de pouvoir y aller très facilement sur ces qualifs du World Padel Tour. Voilà, je fais une petite présentation rapide hein, du club pour tous ceux qui tomberaient sur la vidéo sans avoir connu la chaîne avant. Et on retrouve tout de suite notre Toulousain Benoît Théard à l'échauffement. Voilà, sur les pistes. Avec son partenaire, bien sûr, monsieur Thibaut Pêche. Et on enchaîne tout de suite avec quelques points de leur match. Match vraiment pas facile, puisque les Français étaient opposés à Mario Ortega avec son partenaire. Premier tour très compliqué pour nos Français, comme en témoigne ce point. Allez les gars. Belle réussite. Et il faut finir. Et bien joué. Super bien joué ça de la part de nos Français. Bien sûr, j'ai bien sûr mis en avant les points de nos Français plus que les points des adversaires. Très bien joué ça de la part de notre Français. Qui s'excuse hein, bien sûr. Qui se seront battus voilà, jusqu'au bout. Super important. Et on les retrouve assis sur leur banc avec leur coach du jour, monsieur Nico Trancard. Très bonne défense. Allez, très bonne façon de conclure. Beaucoup de monde pour venir encourager nos Français et surtout les Toulousains. Mais malheureusement, ça suffira pas. S'incline en deux manches, 6-3, 7-5. Bon les gars, on se retrouve du coup avec Benoît et Thibaut. On fait ce matin leur premier tour. C'est les prévières, c'est pas les pré-prévières. Non, c'est les prévières, ouais. C'est les prévières. Non, il y a plus que 4 tours. Plus que 4 tours, ok. Ouais. Comment vous êtes sentis sur le match, les gars? Tous les deux, on s'est bien sentis. Après, ce qui est dommage, c'est que dès le premier, on a un punto d'héro dès le premier jeu et on le. On le prenait pas. On le fait pas et derrière, on court un peu après le score. Et après, si, sur ce premier set, on est un peu surpris sur le fait qu'ils nous mettent un peu sur les talons, on n'arrive pas à faire nos volets d'habitude, etc. On est un peu attentiste. Voilà, sur ce premier set, en tout cas, on court après le score un petit peu. Vous étiez un peu moins libéré, peut-être, tous les deux? C'était pas libéré, je pense qu'on était libéré, très conscient d'être, de prendre du plaisir sur le terrain, etc. Donc on était plutôt libéré, en tout cas pour ma part, mais c'était vraiment. Ouais. Leur défense, leur niveau, etc. On n'est pas habitué et on se retrouve un peu sur les talons. Et cette sensation, en tout cas, de ne pas y aller à fond, c'est sans doute aussi le fait qu'ils défendent leur style de jeu un petit peu. C'est le jeu que vous avez peut-être moins l'habitude justement de jouer. C'est sûr et certain. Sur le circuit français, on n'a pas autant de défenseurs peut-être, ou de styles de jeu comme ça, à l'espagnol. Ouais, à l'espagnol, avec du temps d'attente.
balade un peu en bas, en haut, beaucoup, ça joue beaucoup moins vite en défense, etc. Donc pas forcément l'habitude, ouais. Donc un peu de temps à se mettre en route. Ok. Deuxième set beaucoup mieux, par contre. Vous étiez un peu, j'ai l'impression en tout cas de l'extérieur, vous étiez un peu plus dedans. Ouais. Vous avez réussi à trouver peut-être des solutions tactiques. Vous pouvez peut-être en parler un petit peu ou c'était entre vous comme ça. Bah, je pense qu'on a mis un peu plus d'intensité surtout. On a essayé un peu plus de coller le filet. On n'a pas eu peur de se faire lober quoi. Donc on a mis un peu plus sur les volets, on essaie de d'orienter plus sur le joueur de droite qui finalement nous faisait moins de mal en haut surtout. Et après il y a eu quoi, il y a eu quand même 2-3 points d'or qu'on arrive à faire sur celui où on a la balle de 7. Ça, du coup c'était à 5-4 pour vous, service à suivre. Ouais, 5-4. Ouais. 5-4. Après vous faites un mauvais début de jeu à 5-4, vous êtes mené 0-30 sur votre service. J'essaye de faire sortir une balle qui sort pas, on se retrouve vite à 0-30, on revient. Une volée grille qui tombe sur celle-ci et du coup on se retrouve à 40-30 et deux balles de 7. Ça joue vraiment pas grand-chose. Ça va vraiment très vite. Ouais. Ça joue pas grand-chose. Après, je dois faire mieux sur ma volée. Si elle est un peu plus courte, elle tombe. Il peut y avoir plein de choses. Et je pense que. Et après, 40A, Punto de Rhône, on en parle une et je joue pour l'op. Pas grand-chose et ça va très vite. Et du coup, on se retrouve finalement à 5-5. Et derrière, on a du mal. Jusqu'en 5-2. Il commence à douter un petit peu. Pas à douter, mais il commence à s'adapter un petit peu, il était moins le jeu en fait qu'au premier set. On sentait que derrière vous les teniez beaucoup plus, parce qu'il y a eu des petits gestes de frustration de la part des adversaires, donc on sentait que vous étiez beaucoup plus proche par rapport au premier set. Il était moins le jeu, on arrivait un peu plus à dicter le nôtre d'ailleurs, un peu plus d'intensité, et du coup c'est pour ça que ça a commencé un petit peu à tourner. Et puis, on a réussi à trouver une faille dans leur truc, où à lober en haut sur le mec de droite, de pouvoir jouer. Un peu lui rentrer dedans là-dessus, et pour le coup il se matchait, c'est pas le mec qui faisait tout sortir ou qui se matchait très bien, donc c'était un peu la seule faille qu'on a, parce qu'en volée c'est meilleur que nous, le mec à gauche ça joue bien, c'était un peu la seule faille qu'on a plutôt bien fait, on se retrouve avec deux balles de 7. Ça passe à rien dans le troisième set. Ça passe à rien, surtout qu'on l'a quoi, la balle, c'est pas comme s'ils ont été la chercher. Voilà, une volée plus courte qui tombe et on y est, un lob qui rentre, on y est. Ça reste une bonne expérience quand même pour vous. Super expérience de jouer parce que. Oui, c'est toujours énorme. En plus, pour le coup, c'est vraiment des mecs qui. On a regardé un peu, du coup, c'est quand même des mecs qui jouent tous les week-ends. Et oui. Des pros, ils ont gagné quelques FIP. Donc on est tombé sur une bonne équipe. Après, c'est un style de jeu qui nous correspond. Avec un mec à droite qui se matche pas trop, on peut travailler, c'était un kiff. Beaucoup de bonnes choses à retenir bien sûr, de ce tournoi. Après, ça, c'est déjà génial. C'est frustrant parce qu'on y est presque quoi. On y est presque d'aller chercher un troisième et de continuer un peu à se faire kiffer et ça s'arrête un peu vite quoi. Dernière question les gars, à quand notre vidéo ensemble sur ma chaîne Ça quand tu veux. Juste tous les deux et avec moi, entraînement, je viens filmer un petit peu. Quand tu veux, nous. Vous êtes chaud? Avec grand plaisir. Okay. Avec retenez bien du coup parce qu'on va pas tarder à se retrouver, je pense qu'on essaiera de faire ça très prochainement. Merci les gars. Merci beaucoup. Et on retrouve également deux autres Français que vous connaissez j'imagine très bien, Monsieur Man Vives et Julien Serin, sur ce premier tour. Ouais, les Français bien en action, bien réveillés. Très beau contre. Ouais. Bien joué de la part de l'équipe adverse. Il a touché avant. Très fort nos Français en volley-volley. Une très belle feinte de la part de Man Vives. Voilà, les Français très complices sur le bord du terrain. Quelle rapidité!
très bonne explosivité. Hein. Très beau par 4 pour finir. Et on retrouve les Français sur leur balle de match. Allez. Monstrueuse volée de Jus pour finir. Très solide partie. Ils s'en sortent 6-1, 6-4 au premier tour. 6-4. Rendez-vous cet après-midi contre une tête de série. On va s'éclater et on va gagner cette fois-ci. Bien sûr. Mais bien on va vous donner rendez-vous cet après-midi 16h30. 16h30, je crois. 16h30. Tout à l'heure. Merci, le Human Panda Open. Là, on m'a du coup, fin de cette matinée. Malheureusement, il faut que j'aille bosser. J'ai à peine eu le temps de voir la fin de Man Vives et Julien Serin. Bravo à eux, ils ont gagné. Franchement, super propre, 6-1, 6-4. Du coup, pas eu le temps de leur d'essayer de leur prendre une petite interview rapide. Là, faut vraiment que j'aille bosser. Je suis déjà un peu à la bourre. C'est les fêtes de fin d'année des clubs de tennis. Hein, pour la plupart, vous connaissez. Du coup, soit je finis pas trop tard ce soir et j'ai le temps d'aller voir le deuxième tour des Previa. Soit je finis vraiment tard et dans ce cas-là, j'y retourne demain matin parce que demain après-midi je rebosse. Donc du coup, soit on se retrouve tout à l'heure, ce fin d'après-midi, soit on se retrouve du coup directement demain. Allez, à tout à l'heure la team. Bon la team, on se retrouve du coup deuxième jour. On va essayer d'aller prendre un maximum d'images parce que hier du coup j'ai juste eu le temps de prendre les Français, j'ai pas pris grand-chose. Aujourd'hui pareil, j'ai pas beaucoup de temps parce que cet après-midi je bosse toujours. Et voilà, du coup je vous emmène avec moi, c'est parti. Et voilà la team, du coup fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, là juste en bas on s'abonne, on laisse un commentaire, un like, c'est vraiment important pour le développement de la chaîne. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, la prochaine qui arrive, je sais pas encore laquelle ça sera, mais ce sera une autre vidéo dans ce type. Donc on se retrouve très prochainement. Allez, ciao tout le monde.